Bonjour à toutes et à tous, ici Wolfar et on se retrouve pour la campagne... Non, pour le walk sur la campagne de Halo Reach, c'est pas grave. Enfin, c'est pareil, de toute façon, oui, c'est la campagne, mais bon, faut préciser quand même que c'est le walk, sinon c'est ça fait pas officiel. Et de toute façon, voilà, j'ai totalement foiré mon intro, donc c'est officiel, enfin l'officialité, on s'en bat un peu les burnes là, j'ai envie de dire. C'est pas grave, donc souvenez-vous, on est dans la mission Exode, la mission précédente, donc longue nuit de réconfort. Même la mission d'avant en fait, on avait foiré une mission, on avait perdu d'ailleurs un vaisseau, on avait d'ailleurs perdu un gros vaisseau spatial dans l'idée du Pillar of Atom. Ce qui fait que on avait... il a été détruit par une grosse corvette en fait. Du coup, on a voulu aller détruire la grosse corvette. On a pris, on est allé en orbite carrément en fait, sur un petit vaisseau de défense orbitale du fameux projet Sabre. Et donc on a accosté une petite corvette. On l'a fait se diriger vers la grosse corvette. Non, c'est pas une corvette, si. Je sais plus. Enfin, quoi qu'il en soit, le petit vaisseau petit. Est allé vers le grand vaisseau avec une bombe de notre crew à son bord pour faire exploser le gros vaisseau. Sauf que l'explosion du gros vaisseau a attiré une armée et dans l'explosion en fait il y a 5 qui est mort parce qu'il s'est sacrifié parce que le minuteur de la bombe avait foiré. Ce qui fait que 5 est mort. Que nous on a atterri sur Reach, on sait pas encore trop où. Et voilà. Et c'est sinistre comme histoire en fait, et ça va aller qu'en s'empirant, donc voilà, parce que faut se rendre compte que Reach, son scénario est un poil plus sombre que les autres Halo, hein. On se rend compte qu'on est quand même moins, on se rend quand même compte qu'on est moins, qu'on n'est pas dieu quoi, qu'on est quand même pas résistant, enfin bon, allons-y. PC-Kilo, à toutes les équipes dispo, avancez vers la tour Traxxus. Évacuation imminente. Reçu, PC. Statut de l'aire d'atterrissage? Aire d'atterrissage en code vert. Profitons-en pour évacuer les civils. Reçu, PC. 4-0 terminé. Alors, comme vous pouvez vous en apercevoir, voilà, c'est la merde, hein. On est au moins arrivé dans une ville. Je sais plus, on sait pas trop laquelle c'est. Quoi qu'il en soit, on est dans une ville. C'est déjà ça.
Et voilà, donc on sait la merde, on est blessé, voilà, faut s'en sortir. Bref, on avance, simplement, hein, rien de bien particulier. Je risque de pas beaucoup parler pendant cette mission, enfin du moins dans le début, puisqu'on entend en fait les transmissions des gens qui se trouvent ici. Donc voilà. C'est un fait que... Bonjour. Touché. Tu vas où toi? Wow. Il vit encore. Reviens ici. Ah, j'aime pas ces machins là. Y a un kit de soins dans la zone, il me semble. Point de contrôle, c'est déjà ça de prix. Mais c'est pas ça que je veux, c'est un kit de soins. Compagnie Roméo, on vient de nous signaler des escouades suicides convenantes. Non mais c'est une blague là. Absolument pas. Ouvrez l'œil, soldat. Voilà, hein, c'est génial, le petit suicidaire de temps en temps, hein, voilà, faut faire gaffe. Kilo 2-6, ici Kilo 4-0, la corvette Covenant nous aligne comme des pigeons. Tir de protection finale 1, danger proche à mon signal terminé. Reçu Kilo 4-0, lancement TPF 1 à votre signal. Lancé TPF 1 terminé. Lancement TPF 1, mise à feu. Accrochez-vous les gars. Mais t'as vu que ce mode d'armure va être utile, hein. Genre, comme ça, là. Voilà. C'est pratique. Bande d'enfoirés. Y'a un rat! Y'a un rat! Y'a plus de rat. Kit de soin, voilà. Eh, j'ai une crasse dans l'œil. Putain, pourquoi maintenant? Ouais. 0, demande rapport TPF. Négatif 2-6, la corvette est toujours là. Reçu 4-0, lancement TPF 2, mise à feu. Mais bordel, comment on arrête cette merde? Bah... Je sais pas, faut l'arrêter. par contre, des munitions de ça, je dis pas non. De ça aussi, ouais, pourquoi pas. Après tout, quand même, c'est une bonne arme. Mais non, ça c'est de la merde. Voilà, ici. Déjà ça, c'est bien. Des vêtements. Pourquoi pas. Après tout, hein. Ah, trop suicidaire. C'est bon, fini. Ouais. S'occuper des plus grands maintenant. Bon, ouais, encore un kit de soins là au cas où. C'est tout ce qu'il y a. Allons-y, continuons. Alors. Allez, traînez pas. Des brutes, tous à couvert. Des gens. Un contact allié. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? On s'en fout. Spartan, aidez-nous! Secours 7 à Kilo 2-6. On a la tour Traxxus en visuel. Reçu, secours 7. Appuyez l'évacuation. Terminé. Laissez civils tranquilles! Fumier! Je te permets pas de les toucher, c'est clair? Putain, il y a des civils qui volent, j'ai l'impression. Je veux ton truc. Ok, je veux. Putain, il faut que je fasse gaffe, putain, non? Commence déjà bien. Hop. Voilà. L'ascenseur de l'atrium descend à la baie de chargement qui communique avec la tour. Faut qu'on entre là-dedans. Attention! Contact à l'ouest. Comment ça contact, non? C'est pas vrai? Prends pas cher du tout, non? Mais du tout. C'est bon? Ok. Excusez-moi les gens. Ça m'étonnerait qu'il y ait un kit de sang dans les parages. Ils sont toujours pas au... Enfin, ils sont toujours jamais au même endroit. Enfin, au bon endroit, quoi. C'est juste honteux. Ah.
Hop. Encore un là au-dessus. Oui, je vais monter à l'étage. Il y a de quoi faire à l'étage. Si je me souviens bien. Oh bah, on a fait le ménage. D'accord. Bah, bien joué. Mais j'ai pas fini. quoi que non. Comme ça. Voilà. C'est marrant hein, parce qu'ils avaient pas encore les grenades. Il n'y a pas encore de grenades brutes quoi. C'est, enfin, les brutes balancent leurs, enfin, les grenades plasma. Alors que dans les autres, là, dans les autres salauds quoi. Enfin, c'est pas forcément les grenades qu'ils ont. C'est plutôt marrant. Oh tiens, cadeau. Voilà. Encore un là au-dessus, d'accord. Je visse comme un pied, c'est pas grave. Voilà, bon. T'es où ? Nulle part, d'accord. Tant mieux. J'aimerais quand même nettoyer la zone avant. Il est où le dernier ? Là. Voilà. Maintenant que ça s'est fait. Maintenant que ça s'est fait, j'ai envie de dire. Hop. Là, voilà, merci. On active l'ascenseur, hein. Bon sang, mais pourquoi c'est si long? On évacue des civils à l'étage en dessous de vous. Dès qu'ils atteignent la baie de chargement, je vous renvoie l'ascenseur. Putain. Ok, tout le monde à couvert. Ouvrez l'œil. Faut qu'on tienne cette position. Des transporteurs se déploient dans les cours. Attention sur les flancs. Bon, en gros, là, faut défendre l'ascenseur, voilà. Enfin, il faut surtout défendre ses fesses, hein. Vous aurez compris, n'est-ce pas? Grenade qui n'aura servi officiellement à rien. Là. Wow, 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 ça c'est mauvais, ça c'est mauvais, ça c'est très mauvais, mais genre très mauvais. Genre très mauvais. Ouais, ouais. Knock knock, motherfucker. Là. J'ai de quoi faire sinon, hein, voilà. Exactement! Bon! D'autres volontaires? Oui, toi, monsieur, là, voilà. Que je t'arrive pas à viser d'ailleurs, c'est qu'un détail. Bah, lieutenant, je suis pas fâché qu'on soit du même bord. Prenez l'ascenseur pour monter à la tour. Je vais bouger! Et attends, je prends l'autre marteau, parce que Metavik a plus de munitions dedans. Exactement. Je voulais vous démerder avec les autres, hein. Bon, allez à la tour, vous arrivez trop tard, lieutenant. La corvette au-dessus du spatioport a tout dévasté. La baie de chargement est impraticable à pied et pas la peine de songer à évacuer par le toit. On pourrait utiliser l'aire d'atterrissage VIP, mais comment y accéder, ça? Un groupe d'experts ASCO bûche sur un plan. Un peu de renfort, il ne dirait pas non. J'adore le bug qu'on a vu quoi, c'est n'importe quoi. De l'autre côté du hall, lieutenant, après la salle de triage. Ouais. Je sais pas du tout ce que t'as dit, mais ouais. Je vous couvre, ils sont ennemis. Non. Voilà. Ça je veux. Un peu en overkill, j'ai l'impression. Voilà la fameuse Spartan dont on en parle. Ça ne parle que de vous à la radio. Un petit saut, ça vous tente? Ouais, je vois ça. 3, 2, 1, ok, c'était dangereux. Il va falloir suivre la cadence. Des... Tu sais à qui tu parles là? Je suis déjà devant vous. Ah non, non. Ah, Wood, d'accord, ok. Wow. C'est qu'un détail, je suis.
Vous aviez déjà de l'avance en plus, j'en suis sûr. Hop. Voilà. Je suis la cadence, hein. Ou je fais la cadence, je ne sais pas encore. Voilà, ça c'est fait. Le reste se trouve à l'étage, si je dis pas de bêtises. Et il y a plus gros, il me semble, que des simples grunts. On perd déjà des gens. C'est cool. Rude! Je veux que tu vives, bois! Alors tu vas vivre, c'est clair? Ok, ok. Non! Mauvais timing. Très mauvais timing, ça. Très, très, très mauvais timing. Secours puisse atterrir. Va falloir suivre la cadence, Spartan. C'est des ODST? Oui, c'est des ODST. C'est bien ce que je pensais. J'avais un doute sur le moment, mais non, c'est bien des ODST. Là et là, hop. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Après tout, hein. Juste pour cette portion-là. Est-ce qu'il va venir un jour ou l'autre? Non, si. Voilà. Viens, 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 j'attends, j'attends. Aïe, 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 aïe. Je t'attendais pas avec autant d'impatience, par contre. Laisse mes potes tranquilles! Et toi aussi! Ah, oh, mais oh! Aïe! Ça pique! Voilà. Bon. C'est pas grave. Quand même, fait pas mal de nettoyage. Bien, voilà. Au revoir, surtout. Bon, la suite, la suite, la suite, la suite, la suite. La suite. Ah, il y a vraiment un gars qui s'appelle Pope. Il y a un gars qui s'appelle Pape, quoi, sérieux. Excusez-moi, je prends ça. Voilà, merci. Voilà, au revoir. Merci d'avoir attendu, surtout. Ouais, là. Ok. Bon. Oh, wow, wow. Oh putain, ils sont déjà plus que deux, sérieux. Allez, venez. Pouf. Non, même pas. Donc, c'est bien comme je pensais, ça sera vraiment Pouf qui sur... Ouais, par contre. T'es un peu dans la merde, mec, hein. Voilà. Au revoir, Pouf. Oh, t'avoir reconnu, hein. Au revoir. Au revoir. Putain, mais c'est quoi cette merde?